Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien comme il faut? C'est la première fois que j'utilise mon micro de gaming sur ma manette de PlayStation, alors je ne sais absolument rien du tout. Bienvenue sur la chaîne Twitch de Pixel Barbecue avec la Queen Potato pour tester aujourd'hui Life is Strange Before the Storm. Donc c'est l'épisode 2, la saison 2 on va dire, de Life is Strange, sorti pardon, il y a quoi, il y a 2 ans, 2 ans, quelque chose comme ça. Si vous n'entendez rien, vous pouvez me le dire aussi, hein? Parce que depuis tantôt je parle, mais je suis pas sûre que... Je me force à attendre 3 petites minutes réglementaires le temps que les gens arrivent s'ils veulent arriver. Et puis de toute façon j'en peux plus, alors il faut que je joue à ce jeu. Je réitère mon commentaire. Si vous entendez bien le micro, faites-moi signe. Si vous n'entendez rien, faites-moi signe aussi. On ne sait jamais, parce que c'est la première fois que j'utilise ce micro et je n'ai aucun contrôle dessus. Normalement, ça devrait aller. Allez, encore une petite minute et puis on se lance dans l'aventure. J'en peux plus, j'en peux plus. Est-ce que vous avez... Enfin, est-ce que vous, je dis vous, mais il n'y a actuellement qu'une seule personne qui regarde. Bonjour petit. Comment as-tu, avez-vous trouvé la première aventure Life is Strange? Soyez pas timide, commentez, commentez, aidez-moi dans mes choix. Parce que ça va être le struggle le plus total. Les choix à faire dans ce jeu, qui sont horribles. Appuyez sur une touche parce que la PlayStation me demande d'appuyer sur une touche, mais... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors... Épisode. Démarre l'épisode. Épisode 1. Éveille-toi. C'est parti. Too much feels. Allons-y. Calmement. C'est un jeu à mon avis, enfin le premier épisode va peut-être prendre 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Tout dépend de la façon dont je vais jouer. Et comme le premier, de toute façon, les épisodes duraient approximativement ça. Je pense que moi je mettais 2 heures dans le premier... 4? 2 ou 4 heures, je ne sais plus, dans le premier jeu. Donc pour se replacer dans le contexte, rapidement...
Life is Strange Before the Storm, avec mon super accent anglais, nous replace dans les préquels en fait, du premier jeu. Donc c'est l'histoire de Chloé Price, donc la demoiselle aux cheveux bleus qu'on voit dans le premier jeu, qui est actuellement en train de se suicider. Donc voici notre chère Chloé, notre grande tête de mule. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Et de son amie Rachel du premier opus. Donc c'est la demoiselle qui avait disparu dans le premier jeu. Let's go. On n'a pas de nouveautés question de décor, hein. Ça reste toujours un peu cartoonesque comme ça. C'est pas mal, moi j'aime bien. Toujours ces petites indications pour les nuls, hein. Ceci est une barrière. Viens pousser la barrière. Bonjour, bonjour aux deux petites personnes qui sont venues se rajouter au live et bienvenue sur la chaîne de Pixel Barbecue TV avec Queen Potato pour ce live stream sur Life is Strange. Bienvenue, bienvenue. Maintenez R2 appuyé pour vous déplacer plus rapidement. Ok, d'accord, ça c'est nouveau. En fait, je me suis planté, j'ai un grand problème avec ma gauche et ma droite. Et ça c'est nouveau, donc quand on appuie sur L2, on voit notre objectif, comme vous venez de le voir là maintenant, entrer dans la Syrie. Ok, et donc L2 c'est pour... R2 c'est pour courir. Ok, d'accord. Regardez. Ici, moi je vous préviens déjà, le jeu je le découvre, hein, je vous le dis. Et j'adore explorer. J'adore ça. Donc vous allez avoir droit à 20 000 dialogues qui servent à peu près à rien, tout simplement parce que je regarde une pousse d'herbe, ok? Là, il y a un truc par terre, reçu de Paris. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Ah ouais, d'accord, c'est un pari perdu, il doit 1 000 $. Oh. Il y a des gens. Bonjour les gens. Those guys need to get a room. Damn. Mind your own business. Okay. Je vais juste checker un petit truc parce que j'avais demandé à une amie qu'elle me dise si. Ok, le son du micro c'est génial. Ok, ça me rassure. Je parle pas dans le vide depuis 3 quarts d'heure. Ok, qu'est-ce que c'est ça? This RV's just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Mais ça, je me demande si c'est pas... Il y a un personnage dans le deuxième... Enfin, dans le premier jeu, plutôt, qui a ce van. Je me demande si c'est pas de la même personne dont on parle. On verra bien. Je peux regarder ou réfléchir. Regardons. Some say the world will end in fire. Hop. J'essaye de gérer mon ordi et la PlayStation en même temps. C'est pas facile. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Donc Chloé a une vie un peu difficile, c'est pour ça qu'elle est un peu dans sa phase rebellious teenager. Si vous avez joué au premier jeu ou si vous vous y êtes intéressé, si vous vous y êtes un peu intéressé de près ou de loin, vous savez que Chloé donc a perdu son papa et donc voilà, elle vit un peu dans la, comment dire, une phase un peu rebelle étant donné que son papa représentait un peu tout ce qu'elle avait. Et donc, ça lui a valu un changement hyper radical de la petite fille parfaite à la jeune ado rebelle qu'on a ici devant nous. Une cage pour chien, pourquoi pas? Ok, tant qu'il n'y a pas de chien blessé dans ce jeu, tout va bien. Je sais pas, ouais.
So close, and yet so far. Let's go! This band shreds so hard. I gotta get in there. Alors, donc, comment on rentre? Le grand struggle de ma vie. Donc, elle a écouté par la porte, la potentielle porte, je suppose que l'autre est par là. Oui. Bonjour, monsieur. Help you, miss. You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Super. Donc je viens de marcher. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Ok, d'accord. Donc j'ai marché une heure pour me faire refouler à l'entrée du concert. Parfait. Old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Et donc here. Maintenant je vais partir trouver quelque chose. Attention, objectif. Convaincre le motard. Oh. Je vais pousser les motos. C'est toujours le vieux truc qu'on fait. Le vieux gag. I'd join a motorcycle gang. Non, ok, c'est pas ça. If I had any friends. Que dans tous les films on voit qu'à chaque fois pour faire bouger un motard il faut pousser les motos. Ça va pas m'aider, peut-être si je le regarde. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Trouvons un truc. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Ça va pas m'aider. Ouais, c'est peut-être eux deux, peut-être qu'ils vont le. Should probably avoid getting on that guy's shit list. Vu qu'ils sont en train de se battre, peut-être que je vais devoir lui dire de. La caméra est quand même zarbi. God, again? What do you want, kid? Alors, laisse montrer tout de suite la série ta moto ou sans d'aller. Parlons is de la moto. That your bike over there? Yep. It's pretty cool. Gee, thanks. Is that all? J'aurais dû m'en douter. This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. Ils sont mortels de la mort. Nope. Non. Merde. Are you kidding? You should probably just go. Bon, bah, on fout un peu le bordel, allons-y. Un défi insolence. Ok. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. En mode insolence, vous utilisez des arguments et des insultes pour pousser quelqu'un à faire ce que vous voulez. Oh, ça c'est intéressant. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Is it past your bedtime? Wait, attendez, j'ai du temps. Non, pour y parvenir, faites bien attention à ce que votre adversaire vous dit. Il ne devrait pas déjà être couché. Pas d'heure pour aller me coucher, l'heure de te coucher. J'ai peur de dire une bêtise. J'ai du temps en fait. Ouais, j'ai du temps. Cacapoute. Blablabla. Oh, isn't it past yours? Real cute. But I still don't know you. Je ne te connais pas. C'est mignon. Ok. Répondez avant la fin du temps imparti. Oui, je suis pas mignonne. Mignon, c'est relatif. Qu'est-ce que ça te coûte? Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonia riding a panzer tank. Okay, kid. I get it. You're tough. Oh, je gagne mes points. Alors, il est parfois difficile de trouver le bon choix ici. En l'occurrence, cours de récré est une bonne réponse à gamine. Maybe I am a kid, because this place looks like a damn playground to me. Girl like you, I can't protect you in there. Les filles ont des griffes. Girls kick ass, you idiot. I can take care of myself. My boss will kill me if I let you in.
look the other way. No one will know. J'aurais pas dû répondre ça. People love me. I'm funny. C'est la panique. Around here, funny people have a way of getting hurt. Toc toc. Knock knock. Who's there? It's me, your Buzz. Stop being a scared little douchebag and let this totally cool chick inside already. You're not accepting no for an answer. No. Nope. And you really think you can take me? Oui. Yeah. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're all right, kid. Go on. Ok. Ok, c'est bien sympa le truc de... Défi insolence, c'est pas mal du tout. Je trouve. Et le temps imparti, c'est un peu comme... à la... The Walking Dead. Vous voyez, le temps imparti qu'on a pour prendre une décision, la décision, la pire décision de ta vie, j'ai envie de dire. Non, je trouve ça pas mal du tout, ça commence bien pour moi. Et j'aime bien le caractère de Chloé, étant donné que quand j'étais plus jeune, j'étais comme elle. Follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. On tente une gratouille sur le pitbull ou pas? Half those stairs are rotted through. Looks dicey. What's her name? Delia. Oh, petit chouva. She doesn't usually like people. Yeah. Je suis spéciale, moi. Me neither. Bourré. Bonjour. Sober up, girl. You're missing the show. C'est tout ce qu'elle a à lui dire. Il y a des t-shirts, il y a un vendeur de t-shirts. Is that guy selling merch? I can't hear you. Hey, are you selling 20 any bucks? What? 20 bucks for a t-shirt. That's really expensive. Dick. Il y a peut-être moyen de lui en piquer. Hein. Soyons méchants. That shirt is rad. No. Hey, I told you 20 bucks. You looking to get beat? That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Ah, ok, soyons créatifs. Trouvons un t-shirt. Il y a des tags ici. Damon Merrick again? Who is this guy? Don't mess with Damon Merrick. Je ne sais absolument pas qui c'est, on le découvrira très certainement plus tard dans le jeu. Un couteau. Ok, je ne peux pas passer par là. Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. D'accord. Sympa. Sketch Central. Lame de scie. Oui, c'est bien la caméra qui se met juste devant le poteau. Voilà, c'est bien, merci. Je ne sais pas si ce choix va influencer ma vie, mais... Il y a des trucs par terre ici. Je ne sais pas ce que c'est. 300 dock workers laid off, their pensions canceled. God, Prescott's a real tool. Ah, toujours ce petit Prescott. Lisons. Chers membres de l'association des Dockers d'Arcadia Bay, la fondation Prescott ayant récemment acquis la corporation marine d'Arcadia Bay suite à un règlement de faillite, a décidé de supprimer votre poste ainsi que ceux des 307 membres de votre syndicat. De plus, la fondation va procéder à la liquidation de tous les avoirs de l'association, y compris le fonds de pension des Dockers consenti en tant que remboursement de crédit.
Veuillez noter que votre contrat de travail vous interdit de dévoiler les pratiques et manœuvres d'opération de la compagnie, ce qui inclut les détails de ce plan de licenciement. Bonne chance. Sincère salutation, Sean Prescott. Ça sent la sympathie. Bonjour, monsieur l'homme bourré. Sweet dreams, hombre. L'homme bourré. Ok, d'accord. Est-ce que je vais trouver un moyen de me faire un t-shirt? How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? C'est très drôle quand même. Je viens près des gens comme ça en mode et je viens d'observer. Coco. Voilà. Et les gens ne se posent aucune question. Moi, ça me dérangerait. No thanks. I try to avoid hepatitis, but I can't. Ah ouais, ok. Un monsieur. Frank Bowers. What is he doing here? Yo, Frank. Hey. Chloe. I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup, studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? Ha, the internet. How else? Seriously? Fucking kids. Bon, 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 bon. So, évitons les sujets, come here a lot, or... drogue. Yeah. Right. It's cool. Il a pas beaucoup de conversation, ce petit monsieur. Okay, so you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the 175 bucks you owe me. Ah, Chloé, c'est dette. Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye. On sait jamais. You know I'm good for it. No way. I learned my lesson last time. Money first. Okay. Never mind then. Suit yourself. Ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'elle a écrit sur sa main? Rejoindre le groupe. D'accord. Half those stairs are rotted through. Looks dicey. Ok. I can't hear un panneau. Ah. Ok, good. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. J'ai trouvé mon moyen d'avoir mon t-shirt. Shit! No, 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 no! Come on! Et donc, je vais pouvoir prendre le t-shirt. Thanks for playing, Dick. Oh, yeah! Sweet. Sweet victory. Et je mets ça dans mon pantalon. Ça ne se verra pas, évidemment. Ah, elle a That's vu un like truc. 200 bucks. Uh-huh. Méchante ou pas méchante? Méchante. Cette action aura des conséquences. Ouais, je sais. Holy shit! I'm rich! Pas moi. Vite, fuyons. Fuyons. Du coup, on va pouvoir rembourser Franck. She returns. About that weed. Here it comes. Toss in a dime bag and we'll call it square. Hey, hey! What are you waving around this kind of money here for? You really don't think before you act, do you? Décidément, je crois que je ne fais que nope. du caca dans cette partie. So, where's my pot? No more loans. I'm not your fucking piggy bank. You're a good man, Frank. No. I'm not. Now beat it, Price. You're cramping my style. Du coup, ben, si jamais il se rend compte que je lui ai piqué son argent... I'll see you later. Eh ben, c'est Frank qui l'a sur lui, donc ce sera pas moi. Voilà, voilà, voilà. Bonjour, trois lignes. Du coup, la foule, c'était par où? Je ne sais plus. Bonjour, je suis perdue. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, passons la foule. Here we go. Ouch.
Fuck. Hey. You okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Mm. Yep. My bad, dude. You don't know who I am, do you? No. Nope. Don't care either. Pourquoi tu cherches la merde comme ça tout le temps? Alright, mosh pit is a no-go. Fine. Bon, on va essayer de grimper l'escalier sans Maybe se casser la tête. Nouveau dialogue disponible, c'est-à-dire que si je vais leur parler, ça change. Qu'est-ce que... comment... If I want to see the band, I'll have to find another way. Je sais pas ce qu'il veut dire par un nouveau dialogue disponible, mais surtout avec qui. J'ai pas vu ça. Je suis trop une rebelle, je bois de la bière. Drink more, feel less. Yes, please. Voilà. Donc du coup, on va se suicider dans l'escalier. Let's go. Et je dis let's go comme si c'était moi qui allais le faire, mais je ne fais qu'appuyer sur croix. Que se passe-t-il? Ah non, changement de musique, c'est tout. Oh, yes! Finally made it! Je suis sûr qu'elle va tomber. Elle est quand même spéciale, cette fille. On va la regarder agoniser par terre dans sa crise d'épilepsie un petit peu quand même. Apprécier la musique. Passer 3 milliards d'années ici. Oui, et... You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Est-ce que je m'enfonce un peu dans la merde? S'excuser, ça servira à rien. L'insulter, ça peut rien. On va juste partir. Je le savais. Hey, I'm sorry about the beer, okay? J'en ai Not moi, tiens. Good enough. Okay. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer? I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. This is gonna be good. I'm gonna teach this punk some man. I'm serious. You want to see me get angry here? Because I'm getting there, and it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you. Oh. Hey, dickhead. Hey, Rachel. Choisissez prudemment. Cette action aura des conséquences. On va pas chercher la merde un peu plus, hein. Je vais juste... Adios amigos. Rachel? Ça va, c'est pas un mauvais bout dans le fond. J'espère. Quelle fois qu'on réussit le
n'aimais pas justement les graphismes, enfin, la définition du personnage, en tout cas dans Life is Strange, et moi justement j'aime beaucoup. Je ne sais pas dire exactement ce que je leur trouve de spécial, à part justement la qualité graphique, la définition de personnage que moi j'aime bien. Et fatalement ça plaît pas à tout le monde. C'est vrai qu'on a moins l'habitude quand même de voir de ce genre de graphisme justement avec l'arrivée des nouveaux jeux qui sont carrément d'une qualité filmique, filmesque, je ne sais pas vraiment comment je peux dire ça. Et les musiques sont toujours super bien choisies en tout cas. Parti officiellement pour l'épisode 1. Éveille-toi. Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. C'est typique, comment dire. Even when they involve writing unread letters Max to friends, la loseuse. Quand on pense après qu'elles vont devenir super méga potes. Alors, Max, oui, t'as bien lu. Je t'ai traité de loseuse, tu sais pourquoi? Parce que t'as pas vu Firewalk. Oh, mon accent anglais a du mal aujourd'hui. Hier soir, même Franck était là. C'est mon dealer. Maman, si tu lis ça, c'est mon dealer et tu n'es pas censé dire ça. Je crois que c'était la plus belle soirée de ma vie. J'ai suivi le chemin de fer jusqu'à la vieille Syrie, puis j'ai détruit verbalement l'abruti de videur jusqu'à ce qu'il me laisse entrer. Firewalk, c'était ouf. Je savais pas qu'il faisait des teufs comme ça à Arcadia Bay. Fuck Seattle. C'est vraiment le grand cliché de l'adolescence rebelle. Et j'ai failli me faire botter le cul. C'était des galouches dont j'ai détruit les chances de procréer. Rien de bien méchant donc. Oui, bien sûr. Ah oui, et la meuf la plus populaire du bahut a volé à mon secours. Et toi, ta soirée, Max la loseuse. Et en fait, elle écrit tout à Max, en fait. Ok, d'accord. Chloé, là, sans amis. Papa m'a donné ce papier à lettre un jour, je me plaignais parce que je voulais envoyer un mail, ma internet ne marchait pas. Et ce soir, je me suis dit, tiens, pourquoi j'écrirais pas à Max? C'est drôle, je sais pas vraiment quoi dire parce qu'on s'est plus parlé depuis 3 mois. Et pourtant, j'ai appelé, j'ai envoyé des textos et... Mais c'est pas comme si j'étais triste ou vexée. Alors... En fait, pourquoi... Je sais pas pourquoi elle tient ce journal. En fait non, c'est son journal intime, ok, c'est son journal intime, mais c'est comme si elle parlait à Max, ok, d'accord. Je vais peut-être pas tout lire, histoire de pas saccader, enfin en tout cas perdre un certain rythme dans le jeu. Ouais, pareil, la présentation des personnages, Max Caulfield... Prodigieuse ex-meilleure amie, aujourd'hui portée disparue. Si cet enfoiré d'artiste aime la photographie par-dessus tout et clairement par-dessus moi. Elle utilise même de vieux polaroïdes. Je pense pas que ce soit très sain de s'accrocher au passé à ce point-là, mais c'est pas à moi de dire aux gens comment ils devraient vivre. William, c'était qui? C'est son père? Je sais pas. Je ne sais plus. Oui, c'est son père. C'est bien. Oui, c'est son père. Alors, voilà, le nouveau compagnon
de la maman de j'allais dire Max, mais non, c'est Chloé, qui travaille à l'école, au collège où Chloé va. Et ça, c'est Franck, on l'a vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Épisode 1. Ah, ok, d'accord. Véhicule tout pourri. Je crois que j'ai raté quelque chose déjà. Et ensuite. Ok, d'accord. Ok, c'est assez complet, je trouve, le truc du journal. Je sais pas si je vais si je vais y jeter un coup d'œil tout le temps, mais pourquoi pas. Hey Max. Hey Dad. Another day in paradise. Right? Rolling. Wakey, wakey, Last night, seeing Firewalk live. Those skeevy assholes. That girl. Was that really Rachel Amber? Oui, c'était Rachel Amber. Smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Monsieur Douche Quail. C'est son Fun nom. fact: shark babies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only child. Donc on va se changer peut-être, hein, comme elle a dit. Ah, ça par contre je trouve pas ça pratique. C'était plus pratique, je trouve, le système caméra sur PC. I bet C'était Long Neck moins. Silver traded her hat for beer and booty long ago. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression que c'était moins bordel avec toutes les indications ici pour How do les I objets want avec to lesquels on peut express my interagir. teenage angst today? Carrément modifié. Ah, ça c'est pas mal, mais je voyais pas comment je pouvais choisir un autre t-shirt, vous voyez. Ah, ok, comme ça. Tenue bonus, papillon. Oui, parce que j'ai des tenues bonus, allons-y. Illuminati. Ouais, allez. Poussons le vice. Sinon, je pensais qu'on pouvait aussi mettre le t-shirt du concert, c'était pas mal. Mais j'aime bien le t-shirt des Illuminati en fait. Donc on va garder celui-là. Can't leave without my vitamins. I really should get going. Il y a encore tellement de trucs à regarder. Dans la chambre, c'est quoi ça? Améliorer, tableau périodique. Ok, elle va dessiner dessus. Il fallait que je m'en doute. Better living through chemistry. Le truc, c'est qu'il y a tellement de foutoirs dans sa chambre aussi que c'est un peu dur de. Je sais absolument pas ce que je fais. Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. C'est quoi? Wait, what? Who? What photo? Attendez. Cher Miss Arcadia, est-ce que vous savez quelque chose à propos du concert de Firewall? J'ai vérifié toutes les villes, mais personne ne sait rien. Toutes les salles, pas toutes les villes. Pas toutes les salles en ville, clairement, je sais pas. Je fais remonter la discussion. Bon, les gars, voilà les infos, c'est une soirée privée. Pas privée, genre vous n'êtes pas invité, non. Plutôt privée, genre il vaut mieux rester à l'écart. Et je sais bien qu'en lisant ça, certains d'entre vous auront encore plus envie d'y aller. Alors allez-y à vos risques et périls. Oh, vous qui entrez ici, ôtez toute espérance, vous connaissez la série. Ça me fait marrer parce que je finis de jouer à Resident Evil Révélation, le tout dernier qui est sorti. Et justement, ils utilisent cette phrase. Si vous regardez quelqu'un dans les yeux, ne détournez pas le regard. Si vous détournez le regard, pourquoi vous commenceriez à m'écouter juste maintenant? Ok, d'accord. De quelle photo elle parle? Victoria Chase a commandé une photo dans laquelle vous aviez été identifié.
I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Firewalk, trop jaloux, trop belle, c'est qui ta copine? Des bras chauds. Ok, d'accord. C'est pas intéressant, quoi. Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. God was so proud of me for winning that stupid science fair. Je pense qu'on a fait le tour de la chambre, enfin du bordel. De ah, ah non, il y a un tiroir ici. Deux tiroirs qu'on n'a pas regardé. Oulala. Max made me this mix CD years ago. And because it was Max, not a single song was pirated. As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk last night. Ok, donc c'est toutes les places de concert, etc, etc. God, it's not here. How drunk was I last night? Chloe, I said breakfast. Guess I better try calling my phone with Mom's. Okay. Mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Téléphone. Tiroir. Ah, Mom! Bad enough that David comes here for dinner. Ben quoi? Ta maman aussi a une vie, petite Chloé. How can Mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Ah, elle est quand même pas sympa. Surtout quand on connaît la fin du premier, on se rend bien compte que, bah, voilà. C'est pas tant un connard que ça, en fait. Mais je sais pas si vous avez joué au premier, donc, voilà. Je ne dirai rien. Sounds like my phone is definitely nearby. Ah. There we go. Wonder how many calls I've missed. Maman, un nouveau message. Comptes-tu rentrer à la maison au moins? Chloé, seras-tu rentrée pour ton couvre-feu? Il y aura des répercussions. Et Elliot. Qui est Elliot en fait? Ouh, tous ces messages. Le contrôle d'Espagnol était horrible, j'aurais du cul si je passe. Lo siento. Non, je crois que c'était ok. Cool, tu fais quoi? Rien, j'ai des trucs à faire après. Ok, t'as fini le devoir de chimie? Non. Meuf, c'est la troisième fois, je sais déjà tout. Ah ouais, du coup, ouais, on voit bien qu'elle envoie 15 milliards de messages, mais que Max répond pas. Trop désolé, j'ai pas été top niveau mail, c'est plus simple par texto. Yo, mais c'est Max, comment ça va? T'es là? Trop désolé, j'étais hyper occupée, Seattle te plairait, je t'en dirai plus. Je suis désolée, on devrait décider d'une heure pour s'appeler. Laisse-moi vérifier mon agenda, il est 19h à Cardia Bay, ça fait quoi, 2019 à Seattle? Tiens-moi au jus. Yo, la reine Grillon, quoi de neuf? Max. Ok, donc je comprends qu'elle en est marre à un moment donné, quoi. De se faire lourder comme ça, toujours par sa meilleure amie. Caca prout, quoi. Chloe, breakfast! Bring my purse down with you, please. Yeah, yeah! Ok! I think I saw Mom's purse in her room. Mom's hiding her gray hair to impress her boyfriend. Maybe gray hair is his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Non, tu ne vas pas te teindre les cheveux en gris. Tu vas te teindre les cheveux en une autre couleur, ma petite hippie. Donc je dois lui apporter son sac à main, qui doit être dans sa chambre. Bag. Mom's old engagement ring. Supposed to be mine.
if I'm ever Grade B? Fuck you, Arcadia Pond. Wait, Mom's selling her engagement ring? Ok, d'accord, on découvre des choses. Et si on regardait dans le sac de maman? Take that down to Mom. Non, d'accord, on regarde pas dans le sac de maman. Donc, je vais pouvoir discuter. Oh, can you grab my cell phone too? No more dawdling. I need to talk to you. Yeah, that really makes me want to hurry. Je vais pouvoir parler du coup de la bague de fiançailles avec maman. Coming, mom. La motivation personnifiée. Finally, you can put my purse on the dining table. Might still have time for breakfast if you hurry. Dining table, here I come. Bon, je vais pas tarder, hein, je vais pas... Bonjour, maman. Go put my purse on the table before you forget. Y a rien qu'à changer par rapport au deuxième jeu, je veux dire, je pense que la déco est pareille, en fait. Même le jusqu'au vieux sofa moche, si j'ai bonne mémoire, il était déjà comme ça dans le premier jeu. La tâche de vin aussi, ça je m'en souviens, c'était une histoire avec Max, je pense. From when Max and I spelled Mom's ouais, voilà. I think the only reason Mom hasn't recarpeted is so she can stay mad at me. Wow. Sean Prescott's son Nathan goes to my school. Sounds like the apple didn't fall far from the asshole. Fermeture du chantier naval, mais ouais, ça. Why do I suddenly want to get some fireworks? Une alerte incendie a été étendue à tout Arcadia Bay, les amendes pour feu d'artifice. This is Principal Ray Wells. J'ai eu peur. Let me be emphatic. I have an enormous stick inserted into my butt. Thank you. Also, Chloe, you're poor and in trouble. Ok, d'accord. Poser le sac à main. Chloe, I don't have all day. Would you get over here already? I should see what Mom wants before she strokes out. Elle est quand même chiante hein, parfois parce que sa mère elle en peut rien quoi, j'ai envie de dire. À manger. Bon, voilà. Hey Mom, you wanted to talk? When I send you a text message, Chloe, like last night, I need you to answer. You can just say text. You don't have to say message. And I need you to answer without the snark. Je dormais, pardon, je répondrai. Dans ma tête de gentille fille, je m'excuserai parce que sa mère, elle... Sorry, I hear you. I'll do better elle en peut replying. Rien en soi. C'est juste Chloé qui est chiante. Is that what you wanted to talk about? What is it with you and David? Always cutting to the chase. Why can't we just have some pleasant conversation before school? Are you selling your engagement ring? Chloe, jewelry gets appraised for all sorts of reasons. Like for insurance. Nice dodge. How about this? You don't go in my bedroom when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse then? Ah, c'est chaud. Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah. I used to think drugs were lame too. I wish you wouldn't joke like that. Et you enfin, do le sujet realize qui fâche. I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe! You don't hate him. He calls me girly. He's a dickhole. He can be old-fashioned. Yeah. An old-fashioned dickhole. Let's not fight. I made you breakfast. Nah. I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made 4 eggs, 2 for David, 2 for me. And just before I served them, he says, what are you gonna eat? Lol. I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you missed the bus again. Why would you assume that- Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you, saying you're sick just so you don't get expelled?
And I do know what pot smells like, you know. Et voilà, comment se faire choper par sa mère en 15 secondes. I see you slipping. I'm worried. But Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Never again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. Chloé est particulièrement chiante, j'ai envie de lui mettre 15 claques. Maybe I just need to be left alone. Maybe you're 16 and don't know what you need. David thinks you need discipline. David should mind his own business. Merde, en fait, je disais pas ça dans... Je pensais pas qu'elle allait réagir comme ça. He's a good man. Et du coup, ben... je me suis dit, j'aurais peut-être dû dire l'autre truc. Oh, putain. Dad was a good man. That's not fair. I'm glad your father still has a place in your heart. But sometimes we need to make more room in our hearts for new people. And sometimes, when we're incredibly desperate and lonely, we choose the absolute wrong kind of people to let into our hearts. Mom. Ah, ça me fait mal de voir comme elle est contre sa mère, en fait. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today. Very funny. You will be nice, you will be respectful, and you will say thank you. Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying, I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? Putain, le truc c'est que j'ai envie qu'elle s'exprime pour que les gens la comprennent, mais en même temps c'est tellement elle qui est bornée, qui fait pas d'efforts. Tiens, montre-toi compréhensive, Mom, méchante. I know you're dealing with a lot. Thank you. I understand you don't need me as much anymore. But I need you. I do still need you. You're my mom. I'm proud of you for being so self-sufficient. But the whole world's not out to get you. Tell that to the world. You're impossible. But I love you. I love you too. Mm-hmm. Enfin, un truc gentil. Okay, David's waiting. You'll need to bring him his keys from the ashtray. Try not to kill each other. Got it. Unless he tries to give me advice. Or looks at me funny. Chloe. Or looks at me at all. Chloe. Mom. Have a good day. You too. Bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do. Ah, quelle chiante. Bon, les clés sont dans le cendrier, c'est ça qu'elle dit. Here they are. Ah, allez, quoi. Let's get these to David so he can drive away. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. I better get going. Il y avait un cadre là. Family pic used to hang here. I... Wow. I can't actually remember which one. C'est Max. Aren't you glad you left for Seattle, Max? And never looked back. Capitaine Chloé, Barbe Bleue, Fléau d'Arcadia et son second Long Max Silver. Any letter from Blackwell is never good. Bah ouais, si t'avais arrêté de faire un peu la conne, hein, bon. Mom doesn't want me to know, but it's pretty clear her boy toy, David, hasn't worked in like a year. Je sais pas si c'est bon signe, si c'est avec la maman que je dois en parler ou alors avec Come on, sweetheart. I'm sure David's waiting for you. Ça avec David, ok. Bon, j'ai encore vu un truc qui va mettre le feu aux poudres. Ah.
Salut Chloé, c'est Steph Gingrich. Je sais pas. J'ai ton DVD, tu peux passer le prendre à voir les cours. Si tu veux. Sortons. Allons-y gaiement. What a piece of crap. Oh putain. The car too. Pardon. C'est venu tellement naturellement. We're hoping you men will leave without us. No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Ouais, bon, quand même, il pourrait faire un effort et l'appeler autrement. Je sais pas, elle a un prénom, quoi. C'est pas un chien. Electrode insulator's probably cracked. You know what a spark plug does? No. Yes. It ignites. Did you not hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage, and we can get moving. Donc ça fait trois quarts d'heure qu'il regarde dans sous son capot. Better just get the socket wrench and get this over with. Where's the socket wrench set again? All I see in the garage is family stuff. You know, not your stuff. Dick around on your own time. It's in the toolbox. In the garage. Won't be late to school on my watch. What's David doing, leaving stuff in our garage anyway? Does he think he's moving in or something? Tu ne crois pas si bien dire, choupinette. Manuel de réparation, boîte à outils. Hop. 50-50 chance I smash him in the face with this. 60-40. Maybe 90-10. Ok, tant qu'on est là, regardons un peu ce qu'il y a d'autre et peut-être des choses dont je pourrais parler avec un appareil photo. Dad's old camera. Do they even make film for these anymore? Oui. Uh-oh. Mom's been cleaning again. This was the photo Mom took down from the living room. Guess we don't have room for it and David's mustache. David's lawnmower. Maybe Mom and I like our lawn the way it is. Ever think of that? Dad's toolbox. He used to get so excited whenever anything sprung a leak or busted. If it's in my garage, it gets my special treatment. What message does David really need to hear? La fille qui se promène tout le temps avec un stiff, un marqueur indélébile. Bon, on va mettre celui-là. C'est le moins méchant des deux, j'ai envie de dire. Oh merde. Je m'attendais pas à ça. Moi, je vois des trucs gentils et en fait, elle fait que des trucs méchants. Licorne perdue. Va falloir que je le trouve, celui-là. Donc, nous avons fait dessiner un magnifique chose. Je pensais vraiment qu'elle allait être sympa. Ah oui, c'est vrai, on peut marcher plus vite. Voiture. Tiniest penis in all of Arcadia Bay. Oh, s'il te plaît. Ton langage. A little more hustle wouldn't have killed you. See what's gunking up the works there? That's a sign of carbon deposits. No shit. You know, you could actually be good at this if you lost the attitude. My attitude is what makes me special, David. All right. Le silence malaisant.
J'aime vraiment pas sa coupe de cheveux. Allez, on est gentil, compréhensif. Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox. Oui, une bonne boîte à outils avec un kiki dedans. We've already got one, but thanks. Ready to roll? Please don't want to talk. I want to talk to you about something. Fuck. We don't have to like each other, but you will respect me. You've enjoyed enough of a vacation from having a father figure. So there's some things oui, d'accord, parce que monsieur arrive dans la vie de deux femmes, il faut qu'il soit... Punaise. Je sens qu'on va être obligé d'y aller dans le défi d'insolence, alors on y va, c'est parti, sinon c'est pas drôle. I think it's time I show this asshole I'm not interested in anything he has to say. What's clear is fuck you. Language. You are way out of line, young lady. Language? Here, let me put that in a language you'll understand. Foxtrot. Uniform. You've got a smart mouth, don't you? Let me dumb it down for you. I mean, sorry. What has fewer syllables than dumb? Oh la 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 la. Watch your... I can crap bigger than you, got it? Oh, that's what I smell. A giant load of crap. You... Your mother... Breaking her heart. Oof. Leave mom out of this. This is about you and me and you being an asshole. I was in the army. You will respect me. I don't remember enlisting, so don't treat me like your newest recruit. Okay, j'ai gagné. If you were a man, I'd... It's cool. If you were a man, I wouldn't go so easy on you, either. Don't know why I bother trying. Oh mon dieu. Mission accomplished. Ça me tue parce que... Je suis pas comme ça, en vrai. Et donc devoir choisir des trucs pareils, limite insulter les gens pour réussir un défi insolence... Bah, ça me fait mal. Country music. Flashback. I just call telling when I miss you. Je suis pas vraiment comme ça en vrai, mais ouais, ça m'arrive si on pousse à mes limites. What a beautiful day. C'est vrai que je peux avoir beaucoup de répondants et parfois pas du répondant gentil. Donc, ouais, et quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps comme ça. Et maintenant, je me suis tempérée, on va dire, je me suis modérée, mais j'ai gardé mon répondant. I know what a spark plug does, jerkwad. Et hop. Dad, turn it up. Oh là, je sens la scène qui pue arriver. Oh mince. La violence. On est vraiment pas prêt dans ce jeu. Mais genre pas du tout quoi. Mais ça va, j'ai pas encore besoin de Kleenex. On tient le bon bout. Thank you.
the hell? Out of the car, Chloe. You're gonna be late. Dis merci. Thanks. Don't use that sarcastic tone with me, young lady. I can see you rolling your eyes. Hello? I was actually saying I see everything. I see everything. I'll warn everything. C'est parce que j'ai mis un t-shirt Illuminati, c'est ça? Hello, Black Hell. En fait, ça fait 1h10 que je joue. Et j'ai l'impression que j'en suis qu'au début de l'épisode, quoi. Ouais, la voiture est plutôt sympa. Mais attention, c'est pas son père, c'est son beau-père. Enfin, en tout cas, c'est le nouveau mec de sa mère. Hey, Chloe. Oh, hey, Elliot. I heard you had a hell of a night. I mean, people are talking about it. People can eat a dick. Even social media haters can't ruin how awesome last night was. So, how about the Tempest? Blackwell Theater at its most pretentious. Yeah, totally. I know it's gonna be lame, but I was thinking, do you want to go together tomorrow? Allez, y'a un mec t'invite, dis oui. I try to make it a rule not to go to school any more than I have to. But sitting in the back row and making fun of the drama kids might not suck. Right? That's totally what I was thinking. Non, je crois pas, mais bon. See you in Cam. Yeah, for sure. Le mec, il essaye de sortir de la friend zone sans vraiment réussir à sortir de la friend zone. Appuyez pour voir votre objectif. Pick up my DVD. I've still got time before class. Regardez le poster de la lutte anti-drogue. Well, at least not for now. Nouveau. Ciné-club, science-fiction. Bonjour, Crazy Bon, boulala. Des gens que je connais. Les mercredis à 17h30, vous découvrez la SF. Laissez-nous vous présenter les classiques. Vous voulez suggérer un film? Contactez Warren ou Brooke. Alors Warren, si vous vous souvenez du premier jeu, c'était le pote de Max. Le pote geek de Max et Brooke, je ne sais plus. Qu'est-ce que tu fous là? Il vient me voir pour une fois, punaise. Sinon, je vous ai pas demandé comment ça allait, en fait. Enfin. Je suis sur l'étape de pique-nique. Avec Mickey. Merci, j'arrive. Ok. Tu viens te prendre une dose de Fields. Tu en as raté une. Tu as raté les Fields. Les premiers, en tout cas. Bonjour, cette caméra me rend malade. Bonjour, Skip. Hey, Skip. Stopped any gang wars lately? Not today. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicapped parking. That ass. Yeah, you know how I roll. So, I went to the mill last night. Caught Firewalk live. You went to the mill? Wait, you saw Firewalk? Oui. It was cool. Whoa, pretty wicked. I didn't know you were into music like that. Je pense qu'il y a mon chien qui gratouille à ma porte. Like good music? Preach it, sister. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead. It's not a big deal or anything. I mean, I'm trying to get our drummer out there, but it's hard. Je ne sais plus comment m'asseoir. Mamie peut-être à mal au dos. Oh, vas-y, fais écouter. Yeah, okay. Great. Pardon, j'ai eu un petit ok.
Party hard. C'était cool. So, what did you think? That was really good, man. If Pisshead came on the radio, I'd turn that shit up. Oh, right on. Awesome, Chloe, thanks. Hop là. Allez, on continue l'expédition. Nous sommes les têtes de piste. Goût urinoir et disque de platine. Oh mon dieu. Mademoiselle Grant. On se souvient d'elle qui essayait de nous faire signer ses pétitions pour je ne sais plus quoi. Morning, Miss Grant. What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the time chemistry class begins today. Science is all about discovery, Miss Grant. Guess you'll have to wait and see. With all the change that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Well, the Prescotts have made an extremely generous donation to the school, which is good. But instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Look at it this way, Miss Grant. More art classes will keep all the smug, self-absorbed types out of your science classroom. Articulate, as always. Yeah. Voilà, j'ai fait le tour. Le seul petit truc que je vais reprocher à ce jeu, justement, c'est qu'il y a tellement de choses à... Do not walk the stage. Ok, d'accord. Need my DVD from Steph. I bet she's loading it up with Mikey somewhere. Rebelle! Rebelle! Rebelle, rebelle, rebelle! Donc sinon, je disais que le seul truc que je reprocherais peut-être à ce jeu, c'est justement qu'il y a beaucoup trop de choses avec lesquelles on peut interagir. I should probably be getting to class, but... I just don't care. Principal Wells. Hey. Stay cool, Chloe. You've got a marijuana-flavored bag of expulsion in your pocket. Miss Price, the sign clearly says do not walk on the stage. Such disregard for your fellow students' efforts won't alleviate your record of major infractions. C'est pas moi promis juré ou et les petites infractions. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je fais? C'est pas moi ou les petites infractions? J'ai envie de répondre c'est pas moi, pour tout vous dire. Go full sarcasme. I swear to you, I did not walk on that stage. It was more of a saunter. Do I look amused to you? I don't know. Je l'ai jamais I've vu only sourcils seen si you froncés. With one expression. That's the one. Perhaps you will find me less amusing if I mention the various allegations I've been hearing about your drug use. You know Blackwell has a zero tolerance policy. And yet if my olfactory sense does not fail me, I'd say you've recently been exposed to marijuana smoke. Shit. Do I have to initiate a search of your person in order to establish the veracity of these allegations, Miss Price? No. That's what I thought. I'll look forward to seeing you in my office after school. J'ai pas compris non plus pourquoi il a commencé à me sniffer. Ah, oh, Jack, t'es chiant. Pourquoi il a commencé à me sniffer du coup? Je trouve ça très spécial. Défi d'insolence où je suis dans la merde complète.
J'aime bien faire des défis insolence en fait, mais je sais que ça va aggraver mon cas. Comme pas possible. Wells really has it out for me. Mais du coup, je me suis assise sur mon lit parce que mon chien m'en ennuie. Je vois rien. Actually, sir, I'm gonna go with no. Ah, so you're going to mouth off to me now, yes? Je suis dans le caca. And here I thought your well of witticisms had finally run dry. Oh, I get it. Cause your name is Wells, right? You go around all day just hoping for an opportunity to make well references? This must be a big moment for you. Jokes? In my experience, that's how the guilty cover up their infractions. Sorry, Wellsy, but you've fallen right into my trap. I've been recording this entire conversation for my blog about human rights abuses at Blackwell. You have a blog. Hold on. What abuses have you endured? You know, I've had to talk to you for like 2 minutes. That's a long time. We are a private institution, and policy allows me to search all students on the premises. I wonder if the Prescotts might reconsider their donation if Blackwell's principal is being sued for harassment. How do you know about the Prescott donation? Perhaps the better question you should be asking yourself is, what else do I know? I'm sure we, do not need to make so public an issue of your behavior today. But make no mistake, Miss Price, this is not over. Ooh, goody. Cette fille est violente. Franchement, ça se voit que c'est un jeu. Parce que les gens font ça dans la vraie vie, ils se font défoncer, je crois. Jack, commence par rentrer sortir, s'il te plaît. Ah, ce chien. Du coup, ben voilà. Nous sommes sauvés de... Je sais pas trop si on s'est sauvés ou si on s'est un petit peu plus mis dans le caca, du coup. Je crois que je vais aller chercher mon DVD, histoire d'arrêter de... Victoria... Non, je lui parle pas. Je l'aime pas. Je lui parle, je lui parle pas. Je lui parle, allez. Ah, Carrie Price! It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What with Rachel Amber? Am I right? Wait. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. On a tué un mec. It was a pretty normal night for us. A little music, a little dancing. We murdered a guy. You are so funny. Mais lol, quoi. Seriously though, I didn't realize you and Rachel were such BFFs. We're really not. So what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging her or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed up shit. You know? Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. Une vraie petite fille modèle, oui, tout à fait. So you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God, I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment, and you're... being you. Oh! Je suis méchante ou je suis... Oh ouais, tiens, vas-y. J'aime tellement pas cette fille. I didn't mean to be rude. You know, I finished the assignment. Want some help? You? Help me? Of course. Il y a une couille dans le pâté, bonjour. Right? If I'm remembering correctly, the answer was fluorine, uranium, carbon, potassium and uranium again. Does that sound right? Perfect. Hey! Thanks, Carrie! No problem. No problem.
Tiens, dandine-toi tant qu'il est encore temps. Ah, il y avait quelqu'un qui était assis là-bas, Samantha. Je ne sais pas qui tu es. Hey Chloe. Hey Samantha. Allez, choupite. What are you reading? Who's Afraid of Virginia Woolf? Ah, trop bien ce livre. I read that last year in Mrs. Hoyt's English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? J'ai pas lu la question. It's funny. The title's actually a play on the song Who's Afraid of the Big Bad Wolf? And that's funny? It is if you're the wolf. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little busy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Vas-y, dis-moi un truc gentil. Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. I bet. Ok, la fille, elle est bizarre. Da, 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 da. En fait, il est dégueulasse, son t-shirt. Steph and Mikey normally post up somewhere quiet in the courtyard. Voilà, ils sont là-bas. Bonjour, je viens chercher mon DVD après un quart d'heure de papote avec les autres. If I had known the Celestial Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. Okay, d'accord. Potion wouldn't have worked. Skill challenge? It's part of the tabletop game we play. You wouldn't understand. J'ai jamais joué à ce truc. Mais par fierté, je veux dire que je jouais avant. I used to play with my friend Max. It's been a long time though. Cool. Got my DVD. One Blade Runner, director's cut coming right up. Oh, Blade Runner. Sweet. $5, right? Keep it. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life over real life. That's my motto. Right on. Hey, do you know if Rachel's a gamer? Rachel Amber? Pourquoi tout le monde me parle de Rachel? Me? Didn't you two go out last night, or was it just like a friend thing? Oh, qu'est-ce qu'on fait? On nie, on... ça te regarde pas. Why do you want to know? Steph has a crush. Chloe, you should join our game. Je viens de remarquer le petit collier de la fameuse Steph qui est right juste now. Là, c'est un petit dragon. Thanks, love. We're at the end of the campaign, so it'll only take like 20 minutes. What else have you got to do before? On est en fin de campagne, on en a encore pour 20 minutes. Non. Not really in the mood. Maybe later. You know where to find us. Oui, je sais. Oui. DVD, check. Next stop, chemistry. J'ai vu qu'il y avait encore quelqu'un qui était assis là-bas. Donc on y va. Bonjour, Evan. Ah oui, lui. Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. C'est génial le feu. Who says we should prevent fire? Fire is awesome. While I realize you're being purposefully obstructive, you raise a good point. Many parts of our local ecosystem benefit from fire. Knobcone pine cones, for example, which require temperatures above 350 degrees to open. Say knobcone again. No. This is for college, right? I don't believe you actually care about this. My interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Ah, c'est bien, c'est bien. Pourquoi je suis allé lui parler en fait? Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me parler de Rachel Amber? She's so artistic. I bet she would be a dream. Je sais pourquoi, hein, le jeu tourne autour, mais là, ça fait la quatrième personne qui me parle de Rachel. I gotta run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly non, at school? Non, je veux pas signer ta pétition. I really don't care that much. Doing nothing is just as bad
as doing harm. Pretty sure that's not true. Il va me demander de la signer. Allez, vas-y, je la signe. I'll sign this thing. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Non, je signe. Do you want me to change my mind? No. No. Ok, laisse-moi signer. How seriously am I taking this right now? J'ai l'air. Non, allez. Non, Chloé presse, elle signe. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Berceau des leaders de demain. Big Mac Huge Balls et Principal Dix. Putain, moi j'ai signé de mon nom. What? Caring about important issues? Caring in general. Allez, on court. C'est bien, je ne peux pas lui parler. Elle m'a bourré dedans comme ça sans scrupule. Tiens, ramasse. Je crois qu'il y a d'autres gens, mais je vais arrêter de parler aux gens parce que je perds du temps. Enfin, je perds du temps. Ce jeu, on s'en fout qu'on prenne du temps ou pas, mais. What the hell? Et c'est le petit. Twitch. Le petit. Call me that. True North. Comment il s'appelle encore? Ouais, Nathan. Oh wow, this is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back. I hate that you're on the team now. You're such a loser. Oh, vous êtes tous les deux des losers. You need to fight. You can both be losers. The mute speaks? Oui, je parle. Oh mon dieu. Whoa. You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. Oh, je savais bien que c'était pour ça. My family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Wow. Dick move, Nathan. My dad lost his job at the shipyard. When your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. Leave Britney alone. You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. Non. Non. A piece of shit. I am going to kill you. You guys, stop. Mais en fait, ce gars, il ne sait se défendre que par des menaces de mort. Don't just stand there watching. Fais quelque chose. Vas-y, casse-toi une dent pour nous. Prends-toi une balle. Lol. Allez, on a terminé. I've got to put Drew down. Back off, idiot. What the hell did you just say to me? Back off. Back off, as in go away. No one's interested in your crap. You're seriously defending Nathan Prescott? Je défends personne. Look at yourself, then look at him. That's hardly fair, don't you think? Non. Are you crazy? Je me suis foiré. Mind your own business. Je me suis foiré. Non. Oui, je suis taré. You have no idea how crazy I am. Keep pushing and find out. You want a piece of this? Tu veux qu'on se tape? You mean your budding bromance with Nathan? You're clearly into him. Just pull his hair already. You think this is funny? Oui. You think I'm joking here? Tout à fait. If you were going to throw J'ai down, hésité avec le penser en fait. This clown show is over. Did you just laugh? I did. Chloe just owned you. Shut the fuck up, fresh meat. You shut the fuck up. Oh yeah. Go Samantha. Guess you got lucky this time, Prescott.
had two girls show up to save you. Take your pervy picture, Brooke. Are you okay? You think I need help? From oui, you? Tu as besoin d'aide. Parce You're que welcome. Je sais tout ce que tu as et tout ce que Are tu caches. Thanks for sticking Le mec de la sécurité, il arrive 15 ans après la guerre. Bonjour, je fais bien mon travail. Everything okay here? Oui. No problem, Skip. Maintenant, tout va bien. Si t'étais arrivé peut-être 3 minutes plus tôt, t'aurais peut-être pu te rendre utile. Je sais pas, je dis ça comme ça. Allez, let's go. Ah, SMS. Je suis heureuse qu'on ait parlé. Bon appétit, Trolligne. A plus. Je sais que tu fais de ton mieux. Et je t'aime. Mais j'allais poser la même question en fait. Tu vas manger à 22h? Bah allons-y, hein. Collège, nous voilà. Tempête. From late to class, that's just one more excuse for mom to sick David on me. Là où tu es, t'as peut-être? C'est quoi ce mais? Oh, good. You're here. Tu... Aïch. I do beseech you, chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? Miranda. What is your quest? Oh, my father, I have broke your hest to save you. Je sais pas si vous allez capter la référence. Admired Miranda, indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time have listened to... Many a time the harmony of their tongues hath I listened to. Hayden, oh, mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Killing me. You've had weeks to be off book. Sorry, Mr. Keaton. No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner, who's been very accommodating, and to your other fellow actors, and most of all, to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel looks awesome. This is getting as surreal as last night. Wow, looking good, Rach. Very cool. Exquisite Rachel, as always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with... Sacré melon, my affections fille. Are then most humble. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. Uh-huh. The question is... Are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or has she actually just met the love of her life? What do you think? Je n'en sais absolument rien. Et ils me regardent tous comme ça. Vas-y, tu parles ou qu'est-ce que tu fais? Miranda's an idiot, because falling in love is stupid. What is she, 12? Actually, she's about 15, so your point, whoever you are, about being an idiot or being naive, is well taken. Thanks, Mr. Keaton. Later. See you later, guys. Oh, no. I have first period improv with a class full of freshmen now. Donc ce sont des tatouages qu'elle a sur les mains, en fait, Rachel, ou bien... Okay. Mais il me semble que c'était pas sur le personnage dans les premiers. C'est des trucs qu'elle s'est dessinée pour la pièce. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je réfléchis peut-être trop par rapport au premier jeu aussi. Get the belt, don't say any stupid shit, and don't, like, fall down. Should be doable. Right. Alors cherchons dans le sac et trouvons des trucs qui ne nous intéressent normalement pas. Rachel looks so happy here. C'est mal de fouiller dans le sac des gens. There's Rachel's belt.
qui est pas fini. J'ai pas fini. Guess I'll go give this to Rachel now. Un ordinateur ouvert. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Mec, c'est Chloé Price. Why do kids take themselves so seriously? Rachel Amber et Prospera. Oui, je trouve aussi Crazy Bomb que la musique est super sympa. Et déjà pour le premier opus, ils avaient choisi les chansons d'un artiste qui s'appelle Sid Matter, si je me trompe pas. Et c'était un artiste que j'écoutais quand même pas mal sans vraiment savoir qui c'était en fait. Merci Spotify. Et je trouvais ça super sympa. Et ici, ils ont gardé le même style. Je sais pas s'ils ont gardé la même personne. Mais j'aime vraiment bien. C'est super, super sympa. Ok, c'est les trucs de... du théâtre. Y'a rien. Blop, 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 blop. Aha! I guess the Prescott donation doesn't cover this. If I'd known acting meant getting to play with weapons, I totally would have auditioned for... There should be life is drama. Aussi, Osier ou Osier, je sais pas vraiment comment on doit le dire. Je l'ai entendu des deux façons en fait, donc pourquoi je fais demi-tour? Et en fait j'ai son album qui tourne en boucle dans ma voiture, donc ça fait un peu voiture de grosse dépressive. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Des costumes! Must be 100 costumes in here. Am I the only student who's not in this show? Sometimes you just gotta turn up the heat. Où sont passés les crayons? Hayden, je sais que c'est toi! Ils correspondent par... I'm gonna guess it's from... Logan. Donna, tu es si belle. Je veux qu'on sorte un jour, ça me ferait plaisir. Plaisir, par contre. Bah, bla, bla. Pardon, pas par contre. De la part de Logan, devine. Ah non, c'est pas Frank Sinatra, moi. Par contre, c'est Lady Gaga. Ou Loïc Noté. Donc, en fait, j'ai vraiment une bagnole de dépressive, en fait. Étant donné que le dernier album de Lady Gaga Rachel, est pas aussi... pas tout le temps aussi pop. Yes. Thank you. Que ce qu'elle a fait d'habitude. Je lui envoie ou je la porte? Allez, je la porte. Voyeurisme. Oui, c'est bien lui. Voyeurisme. Ah. I really liked your costume. Thanks. C'est un peu en train de me mater en fétif. Did you bring flowers for my dressing room? I guess I owe you. I'll hold you to that. Okay. I'll let you finish changing now. C'est très malaisant, je trouve. Chloe Price. Rachel Amber. Last night was amazing. I'd never seen Firewalk live. Pretty fierce show. We'll have to do it again. To tell the truth, I went to bed last night wishing it never had to end. But then I thought, why? Why does it have to end? Is that a rhetorical question? How would you like to join me on a little field trip? Ditch class? You mean it? Is that weird? No, it's awesome. Let's get the hell out of here. C'est parti. Mais je me demande ce qu'elles vont faire du coup, et bah, la maman de truc machin, Chloé, va très certainement recevoir une lettre du coup du fait que elle a encore séché les cours. C'est mal. Ne faites pas ça, les enfants. Ce jeu est un mauvais exemple pour la jeune génération.
Nope. If we're gonna go rogue, we're doing it right. Well? What the hell am I getting into here? Surtout que j'ai tout fait pour être à l'heure à ce cours de chimie, hein. J'avais même refusé de signer la pétition. Where does this thing go? North? Maybe we'll end up in Seattle. Pull up a chair, Price. The view's amazing. Salut, pourquoi t'étais pas en chimie? Attendez, vous tapez trop vite les gars. Même moi je tape pas aussi vite que vous. Tout va bien, ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec Drew? Paraît que t'étais au top, yo, on parle plus tard, ok. Ah ouais d'accord. Une autre alchimie. C'est presque ça, hein, parce que même déjà dans le premier jeu, la relation Chloé-Max était un peu ambiguë, j'ai envie de dire. Oh, nouvelle tête. Et on a des nouvelles notes aussi. Guess we're not the first ones to hop on this train. I wonder what the symbols mean. Whoa, Nathan's dad is a Terminator? That totally checks out. Bah, quand je parle d'ambiguïté, c'est surtout que, bah oui, elles avaient une relation. Elles avaient une relation tellement fusionnelle en fait que ça a donné naissance à beaucoup de fantasmes entre. Chloé et Max, et je suppose qu'on va avoir maintenant aussi avec ce deuxième épisode le retour. Elle va pas acheter ça deux. Things heavier than it looks. Non, on va avoir droit au retour des cosplays Life is Strange Before the Storm version ambiguë aussi entre Rachel et truc machin Chloé. Humans, but no humanity. Everybody is somebody, but no one wants to be themselves. Some preachy graffiti up in this train. Je tag. Une phrase profonde également. L'enfer, c'est les autres. Nous sommes des monstres. Human is another word for monster. Ragoût de clochard, c'est mon trophée. Ok, des livres. I was supposed to read Huck Finn in English last year. Now I'm living it. Price 1. Carpe diem. 0. Bon, on s'assied. Just another typical day, skipping school, with Rachel Amber. Moi j'aimerais bien m'asseoir. Mais elle veut pas. Objectif. Trouve un siège. Ben, ceci, voilà. Alright, Chloe. We're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Is this... nervousness? Is that what this feeling is? Wish Max were here, so I could ask. Should I make small talk? Is that what people do? Small talk. What is wrong with you? What? You're acting nervous. So... it's kind of weird that we're hanging out. No, you mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. Well, I used to. Friend. Singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastures.
That sucks. I didn't mention it earlier, but you seem to have some kind of Jedi mind powers over Mr. Keaton. Jedi sur l'esprit de Monsieur Keaton. You mean when we were talking about true love in the play? I guess you could say I'm good with people, yeah. Just don't pull that stuff with me. You will get on this train. Oh, shit. I bet you're wondering what we're doing. Oui. The thought occurred, yeah. Well, I wanted some company. That's it? That's it. Try again. I'm going to need more to go on than that. Joyrides with me aren't fun? Joyrides to where again? Life needs a little mystery, Chloe. Let's do something fun. Vous voyez quand je vous parlais de relations ambiguës? V-card's been punched, Rachel. I'm sorry. Wow. Too far. Well, I don't know. Okay, something fun. I'm all ears. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves. Two of which are the truth, and one of which is a lie. Right. And then the other person has to guess which. La vraie vie. Sounds fun. Je pense. Ou alors c'était je n'ai jamais. Je ne sais plus. Mais j'ai déjà joué à un jeu comme ça en tout cas. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway. To which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Je suis quand même contente de pas avoir de webcam. Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Parce que, vu la tronche que je tire actuellement, Kathmandu? Ça aurait été comique. Kathmandu? Pardon. One day, I'm going to climb Everest. Alors laquelle est fausse? Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay. So ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie? Qu'est-ce que j'en sais? I don't buy the ambidextrous claim. No? Well, that's too bad, because it's true. Prove it. Sign your name with both hands. Sign where? Seriously? All the bad girls do it. Come on. Damn. Tranquille. I'm afraid the lie was New York. I'm a Cali girl. Bah, je voulais mettre ça au début. So, New York's on the bucket list. Broadway, here I come. Cool. Okay, your turn, Price. First fact. Right. Something about myself. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. Je triche. Je ne triche pas. Je fais quoi? Dites-moi. J'ai envie de savoir. Je mens, je ne mens pas. Je reste pur et gentil. Ou je descends en enfer à cause de mon triste mensonge. Allez, la vérité, ok. Alors, la country me donne la gerbe. J'adore les sciences. Je voulais devenir un pirate. Ah ok, en fait on choisit les options. D'accord, je me suis cassé la main en frappant quelqu'un. Je suis allergique au chat, je fais partie d'un groupe. Ok. I love science. Seriously. Elle dit ça avec beaucoup de sensualité. Huh.
On dit que la vérité alors. I used to want to be a pirate when I grow up. I kind of still do. Arr. On va dire un petit mensonge quand même. Sad to say this, since you're a Leo and all, but I'm allergic to cats. Are you now? Yeah. Swear. You're hella mysterious, Chloe Price. Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. Of course you wanted to be a pirate. Sail the open seas, buckle swash, plunder secret treasure. Did I mention my love of booty? So, pirate, obviously true. Arr. Like you said, arr. Okay. Silence malaisant. You love science, but you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science? Or that Blackwell doesn't inspire your best work? Possible ou Blackwell est un trou? On va dire possible. Sure. It's not for everyone. I get that. Anyway. School sucks, but you love science. I'm gonna say true. Which brings me to your alleged cat allergy. Alleged? I'm calling lie. Why is that? I mean, maybe you're allergic. But I've passed by your locker a few times. And I've seen that old photo of a cat you keep in mind. C'est pas du harcèlement. You've passed by my locker? Stalker much? Hey, I notice things. I can't help it. I guess you're no stranger to being noticed, too. It's kind of new for me. Well, get used to it. So, if my math is correct, you told me two truths and one lie. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. Well, I'm impressed. I bet it's légèrement flippant, mais je lui ai dit qu'elle m'impressionnait pour lui faire plaisir. I'm gonna feel good about that one. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket, then. Not that I have a right of my own. Car first, embarrassing number of movie violations second. Hey, thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. And not everyone would admit to wanting to be a pirate. But eye patches are so cool. Ok, ben sans le savoir, j'ai fait de bons choix. Je suppose qu'elle a un peu les mêmes réponses you pour le reste. You opened up a lot, that's all. It's not a big deal. Hate to break it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you'd had my life, you'd understand. No, I get that. On the other hand, I got on this train with you, didn't I? Fair point. Et elles vont passer combien de temps à se regarder comme ça? Wouldn't mind listening to some music. Ouais, parce que ça devient très malaisant, le silence. Hey, wanna listen? Ouais, je confirme vraiment que les musiques sont super bien choisies.
Tiens, j'en ai marre d'écouter ta musique de merde. Cool bracelet. I've had it, I guess, since I was a kid in Long Beach. It reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach. Or anywhere but here. Maybe sooner than later. What? What brought that on? Sometimes. Don't be surprised, Chloe. If one day, I'm just out of here. Et ça rejoint fatalement tout ce qui se passe dans le premier jeu, étant donné que Chloé disait tout le temps que Rachel pensait tout le temps à ce genre de choses. On saute. Elle est restée dans le train. Tiens, ciao. Est-ce que c'est encore long? Parce qu'il est déjà 10h30. Pas que ça me dérange du tout, hein. Moi j'aimerais bien finir l'épisode. Comme ça après je peux aller faire mon petit review tranquille. À propos de ce premier épisode qui est qui pose bien les bases, je trouve. Je sais pas vraiment dire en fait si je le trouve long ou pas. Je le trouve bien. Posé. Et bah bonne nuit Crazy Bomb et merci d'être passé en tout cas. J'espère que tu seras là au prochain stream. Voilà, passe une bonne nuit. Merci d'être venu. Qu'ils ont fait les plans, les petits travelling comme ça qu'ils utilisent, c'est super posé et ça va super bien avec la musique. Je trouve que c'est hyper complémentaire. Hey. Et ça fait vraiment c'est du bien. A pretty nice view. Glad you approve. And as your reward for making it up here, I have a new game for us to play. Another one. I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. So far, what I've learned about you is that you're into acting, lying, and playing games. What's your point? That you're either full of imagination or full of shit. Hmm. Let me know when you figure out which one. This game involves spying on people from afar. Luckily, we've got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. Ça marche pas. That blows. Well, shit. That was my last quarter. You? Quarterless. J'ai jamais d'argent. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh yeah? Let's see what you got. Bon, on va m'envoyer chercher des trucs maintenant, je suppose. Message. Désolé pour Drew. C'est pas ta faute. Mon frère est pas toujours aussi con. Ah, c'est son frère. Ok. Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. Ok, on va trouver des trucs du coup pour, je suppose, faire fonctionner cette jumelle. On va taguer la statue parce que c'est collecté dans le journal et j'ai envie de collecter tout. Un sextant, faisons un sextant. C'est joli les sextants. Voilà. C'est exactement ce qu'il y a ici dans la main du petit monsieur. Stop sextanting the interns.
Je croyais qu'elle allait dessiner. Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Where are all my explorer ladies at, though? Probably at home, washing laundry and spitting out. Alors, dans le journal, j'ai vu qu'on avait un nouveau dessin. Bah, c'est le dessin que je viens de faire, mais... Ah, ok, d'accord. Panneau touristique. This Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. Blablabla. Founders keepers, I guess. J'allais dire, elle peut pas descendre, c'est un escalier quand même. Just a day in the park. Ok, va quand même falloir que je trouve une solution pour les jumelles parce que je veux pas passer trois quarts d'heure là-dessus. Huh. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. Oui, mais où est-ce que je les trouve les bons outils? I'm not getting in there with just my fingers. Maybe Rachel has something I can use. Est-ce qu'elle a un petit couteau? I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? Ça peut toujours fonctionner. Pourquoi pas? I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Chloé Price, carbone, oxygène, azote, sodium, soufre, sélénium. Tu crois vraiment que je sais? C'est trop bon. C'est trop bon. Ah, elles sont pas finies encore. Tu crois vraiment que je sais pas que ça fait connasse sur le tableau des éléments? J'ai eu des ennuis à cause de ça, sale potassium, uranium, tellure, tu viens de me traiter de cute. Le potassium, c'est qu'à. Va te faire foutre, connasse, t'es morte. C'est tellement bon. Alors j'ai ma lime à ongles, je vais pouvoir ouvrir les jumelles. Damn it. It always looks so easy in the movies. Wonder if I can find something sturdier to use. Un caillou? If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. I wonder if I could use this to get the quarter out. Je ne vais jamais te rendre ta lime, désolé. Stealing a dedication plate takes persistence. Steph, salut alerte, Wells est d'humeur massacrante. C'est pas une blague. J'essaie juste de t'aider. On doit serrer les coudes entre répliquants. La 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 la. Oup. Y'a moyen. Prescott power activate. Non. Si. Hey. Tiens. Ton argent. I don't want to boast, so I'll let you do it for me. Chloe Price, you are truly the viewfinder whisperer. I stand in awe of your powers.
Rachel smells like... jasmine? Is she smelling me right now, too? Really should have showered this morning. All right, here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it? I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Alors, trouve une cible. Hey, what do you say we barbecue some squirrels when we're done here? God, you just have the best ideas. Je suis sûr qu'on va finir par trouver quelqu'un qui... qui fait un truc ou quelqu'un qu'on connaît. Loving this guy. On dirait vraiment des Sims comme ça. Right mais now? Des vieux Sims, genre dans les tout premiers. No matter how fast I go, I'll never outwalk this wedgie. That's so tragic, but also beautiful in its own way. What's going on with these two? And the Lord said it, thou shalt make a burnt offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? No one, son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Further. Further. Wow. That was dark. Too dark? Perfect dark. All right. Let's see. Why do we always hold hands like this? Didn't you tell me you were ambidextrous? No, I didn't. I said I was ambisexual. Oh, so you can have sex with both of your hands? Exactly. Wanna see? C'est dégueulasse. Let me go of my hand first. This is fun. Who's next? On va pas tous les faire quand même. Ah. Oh, hey! Sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. C'est qui? Jackpot! Commence makeout session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn, they are really going at it. Je crois que Rachel le connaît. Oh, honey. I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? Ouais, à faire comme hey. Ça, c'est qu'elle le connaît. Are you all right? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Hell yeah. The honor student wants to show the school delinquent how to party? Be my guest. How gracious of you. Ok, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être dû dire l'autre ce que je pensais en premier. Pourquoi est-ce que je fais jamais ce que je pense en premier? Je ne sais pas. They have a bottle of wine. Ok, on va leur taxer la bouteille Let's de vin. Let's steal it. Okay. Aïe. Or we could go try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it. I just want to take something that's not mine. En fait, elle est en train de faire sa crise, quoi. Elle aussi, elle est en pleine crise. J'ai envie d'être méchant, tu veux voler une bouteille de vin. Can we help you? Oh my god! Et donc Holy le vin piquait la bouteille Talk de vin. Committing to a performance. Better act fast. There it is. Time to snatch and run. Should we check her pulse? Didn't... Oh, thank God. Please, this girl is in trouble. Go get help.
Okay. I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! Je vais pas avoir le choix, sinon je vais jamais y arriver. Merde, j'ai pas lu. Don't look at me. Look at Baywatch over here. Aw, I don't remember how to do CPR. Wah. It's time to nut up or shut up. Wah. Watch out. I'm going to check her pulse. That's on her neck, right? I still think you should go get help. There's a ranger station on the other side of the park. Good point. We'll keep watch while you go. Look at all the time we've wasted already. This woman needs mouth-to-mouth resuscitation. Stat. No. Ce jeu d'acteur. Yep. Definitely needs mouth-to-mouth. Okay. Okay. You can do this. I can't do it. Pathetic. Look, he's clearly useless. This woman needs help from someone who actually knows what they're doing. Et toi alors? Okay, fine. I'm going. But when the police show up, I hope they don't arrest you. Arrest us? Good Samaritan law. Ever heard of it? It means you have to do everything in your power to help someone in trouble. Everything. God damn it. I'm going in. Vas-y. Fais. Occupe. Comme ça, je prends ta bouteille de vin et on en finit. Hey, wow! I'm all better now. You saved my life. From the bottom of my heart. Thank you. Yeah. Good work, everyone. Peace out. C'est pas du tout discret, la bouteille de vin. That was incredible. You're a hero. Huh. I guess I am. C'était stupide. Here, you earned this. Thanks. En fait, j'ai l'impression de faire faire à Chloé des choses qu'elle veut pas faire. I could use a drink after trying to keep up with you. Parce qu'elle voit bien que ça correspond pas à Rachel, en fait. I'm excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Je sais pas, je le sens comme ça en fait. C'est pas le truc de Rachel et on voit bien que ça, comment ça, ça préoccupe Chloé en fait. Scène emblématique du premier jeu également. La petite balade sur les rails de train. Donc on sait d'où cette lubie vient maintenant. Elle le faisait déjà avec Rachel. Wow. Hey, check this out. What? Et là, c'est la fameuse décharge où on va aussi dans le premier jeu, je pense. Ouch. Great. It's a pile of trash. Yeah, an awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? On va quand même lui demander ce qu'elle a. I
I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. Yeah, I get it. I know I'm not the easiest person to be around. I don't exactly have tons of experience with the whole friendship thing. Not everything revolves around you, Chloe. I didn't say it did. I'm just saying I understand. No, you really don't. Okay, d'accord. Okay, d'accord. Tout va bien. Tout va bien. Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Bon, comment calmer la bête? Score. Here. If you really want to smash something, this should do the trick. Là, je vais me casser la gueule avec. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria Chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Great. Ça, ça m'envoyait. I'm leaving. Okay. See you around, Chloe. J'ai you can't leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go! Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? Une amitié plus qu'une amitié, une amitié plus qu'une amitié, plus qu'une amitié. I mean, fuck, are you actually going to make me say it? Say what? Exactly. You know, like a friendship, but more. Ah. Merde. I know. Weird, right? It's just, today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Elles se connaissent depuis 3 jours, mais c'est spécial. Come on, say something. Chloe, you know what? Forget it. This was really stupid. I mean, you're Rachel Amber, and I'm Chloe Price. It's not that. It's just hard right now. And I can't talk about it. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Sortez les mouchoirs. Goodbye, Chloe. Et voilà. And she's gone. Bon, nous en sommes donc à la première. Je sais pas si on a bientôt fini l'épisode. Ça semble être la fin en tout cas. Enfin, ça se finirait bien comme ça peut-être. Et on en est à la première déception de Chloé qui fait que. Elle va tout péter. C'est assez. C'est pas mal, hein, cette partie des fouloirs là.
You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Yeah! Fuck off, Rachel. J'ai reçu un SMS. De qui? De maman. Chloé, je m'inquiète. Dis-moi au moins si tout va bien. Ah ouais. Je crois que tu sais pourquoi. On a rendez-vous avec Monsieur Wells demain. J'ai besoin que tu fasses des... Ok, d'accord. Ah. Je me demande si en appuyant sur les autres touches, ça fait autre chose. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. Là par là, il y avait encore des trucs à péter. Hop. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. Chloé est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Je dois sortir mes Kleenex. Dad. Oh punaise. Ah, c'est pas vrai, non. Mal. Ah, ça fait mal. Oh, déjà, dès le premier épisode, ils t'en mettent plein, mais plein droit dans les fils. Ah, c'est atroce. Atroce. Arrêtez. Ah, c'est trop triste. J'ai pas pleuré, hein. Oh, je sais pas combien de fois on va se le manger, ce flashback. Arrêtez, c'est triste. Why are you crying, sweetheart? Oh, arrêtez. Oh, punaise. Because you're not real. I'm not. What is going on? C'est en fait dans la voiture, est-ce que ça a des répercussions sur le... enfin, est-ce que les choix que je fais en fait ont des répercussions sur le contenu de la voiture? Prologue and shit. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today.
Je pense que oui, c'est ça en fait. Les choix que je fais pendant les différentes parties des épisodes. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, ah, c'est tendu. She nearly took your head off. Elle t'attend. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. I guess I did that. Sometimes people need you, though. Allez, sors de la voiture. Sors de la voiture, qu'on se prenne encore des fils droit dans les fils. Even when they don't admit it. Je sens que ça va intervenir beaucoup, beaucoup, beaucoup cette petite scène dans le jeu. Et on est presque à 3h, on est à 2h30 de jeu là. On va être à 3h d'épisode bientôt. C'est long. Mais c'est tellement fourni en même temps d'informations. Étant donné qu'il n'y a que 3 épisodes par rapport au premier jeu qui en faisait 5, je suppose qu'ils ont un peu plus bourré les épisodes et qu'ils durent en moyenne 1h, 1h30 de plus. Comme on n'a pas les retours dans le temps, etc. Comme on avait dans le premier jeu, bah, fatalement oui, ça va être plus long. Parce qu'on a plus de choses à mettre en place. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais là, tant que maintenant, je pense qu'on doit pas être loin de la fin de l'épisode, en fait. Parce que c'est pas possible que ça dure en même temps... 3 heures, 3h30. You came. I'm glad. Hey. I couldn't let the day end with... whatever this afternoon was. Chloe... I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? C'était ton the père? Ones who were making out? That was my dad. Putain, je le savais. Oh. Je le savais. Right. And that woman... was definitely not my mom. Oh. The worst part is... I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. Ah, c'est pour ça que tu veux... C'est pour ça qu'elle l'a emmené fuguer. Chloe,
I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and oh, je savais bien que j'aurais pas dû. Je savais bien. He was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Ah, c'est tendu! C'est tendu, tendu, tendu. Chloe, I owe you an apology. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No. I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome, and you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know, I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? Two against one. But you wouldn't take any shit from them. I'd be dead if you hadn't thrown that bottle. You inspired me. What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Je pense que c'est une invitation au suicide, mais je suis pas sûre. I borrow your lighter. J'allais dire, elle va la brûler ou elle va la déchirer, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Mais elle va faire un truc en tout cas.
Come on. Ok, il y a des présages de mort partout. Ok, et ça c'est la fin du premier épisode. Terminé le premier épisode en 2h40 de jeu. C'était assez fourni, parfois peut-être assez long, mais tout ça vous le verrez dans le review du premier épisode que je vais rédiger pour le site www.pixelbarbecue.be. Donc n'hésitez pas à aller checker les pages Facebook, Twitter et le site évidemment. Qui est renseigné normalement sur le profil de la Pixel Barbecue TV. Merci à ceux qui ont été là, déjà les petits habitués que j'ai habituellement sur ma chaîne, et d'avoir supporté les autres, les quatre petites autres personnes qui sont encore là, qui regardent le générique. 2h40 de ce premier épisode assez intense, je le dirai jamais assez. Ok, donc ici voilà nos stats. Alors comme 39% des joueurs on est parti, 61% à attaquer. Vous avez été gentil avec Joyce, donc on voit bien qu'on est quand même réfléchi, j'ai envie de dire. Vous avez défendu Nathan comme 87%, et comme 71% des joueurs on a dit à Rachel qu'on était plus que des amis. Ok. Oui, et j'ai mis le feu à la région, oui. C'est pas ma faute, hein. C'est la faute de Rachel, c'est pas la mienne, ok. Alors, 50-50, vous avez pris l'argent, vous n'avez pas pris l'argent. Ok, vous avez acheté de l'herbe à Franck, vous n'avez pas acheté de l'herbe à Franck. Moi je voulais juste le rembourser à la base, je m'attendais pas à ce qu'elle achète un nouveau paquet. Vous n'avez pas mis la photo de William sur la commode. Ah merde, je savais pas qu'on pouvait faire ça, sinon ouais, je l'aurais mis sur la commode, moi. Vous avez glissé l'argent dans le sac de Joyce. Il y a plein de trucs que je savais pas. Vous avez dit à Elliot que vous iriez voir la pièce avec lui. Vous avez dit à Skip que vous aviez aimé la démo. Vous n'avez pas fini le jeu de plateau avec Mickey et Steph. Vous avez saboté les devoirs de Victoria.
Vous avez dit à Rachel que tomber amoureux était stupide comme 57% des joueurs. Vous avez partagé vos écouteurs avec Rachel et vous avez sauté du train. Et j'ai fini! No one steals from me! I want my fucking money! Qui est de merde? Voilà! Eh bien, comme on le dit, prochain épisode bientôt, donc on se voit très bientôt. N'hésitez pas à aller checker le site pixelbarbecue.be pour le futur review et pour tous les autres d'ailleurs, tous les autres reviews et toutes les autres infos jeux vidéo. On se retrouve dès que le deuxième épisode sort et on se voit aussi vendredi techniquement pour une petite game sur Resident Evil Révélation. Je vous dis à bientôt. Et passez à tous une bonne nuit.